tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un tweak qui va vous permettre d'ajouter la date et l'heure quand vous allez prendre des photos. Donc ce tweak il se nomme Stamper et il est disponible sur Cydia gratuitement. Donc vous ouvrez Cydia, vous irez dans l'onglet Recherche en bas à droite, donc ici, et vous taperez donc, comme vous le voyez, Stamper. Donc il faut être jailbreaké au firmware 4.2 ou plus pour pouvoir utiliser donc ce tweak. Donc vous faites installer confirmé. Une fois installé confirmé, vous relancez le Springboard. Vous n'aurez pas d'icône donc sur votre appareil. Vous devrez aller donc dans les réglages. Donc dans les réglages, vous allez arriver ici. Donc on descendra en bas dans l'onglet donc Stamp et là on aura quelques réglages. Donc tout d'abord, il va falloir désactiver et réactiver donc le tweak pour qu'il prenne fonction. Donc si jamais il ne prend pas fonction, relancez le Springboard. Donc là, c'est pour le format 24 heures. Label color, donc c'est pour la couleur de l'écriture de la date et l'heure. Donc là, c'est pour la grosseur du texte. Et custom text, c'est un genre de signature. Donc, on va tester le tweak. On va aller donc, dans l'application photo. Donc, vous l'aurez compris, ce tweak est compatible pour les iPhone 3G, 3GS, iPhone 4 et iPod Touch 4. Donc, dans les autres iPod Touch, vous n'avez pas la caméra, donc vous ne pouvez pas installer donc ce tweak. Donc, on va prendre une photo. Voilà. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc là, maintenant, vous voyez sur la photo, ici, vous avez donc la signature que vous avez mise, donc l'heure et la date. Donc là, l'application, je n'avais pas vu tout à l'heure. Donc, prendre deux photos, donc une sans et une avec donc la date et l'heure. Donc voilà, c'était ça, c'était pour montrer donc ce tweak assez sympa. Je vous invite à vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner ici. Ça vous permettra de voir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir et de visiter mon site internet www.bishko-touch.com. Une fois sur le site, je vous invite aussi à cliquer sur le bouton like ici pour devenir fan. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.